Bienvenue à l'écoute d'un conte de Noël de Charles d'Ombre, tiré de son ouvrage « Entre les roses et les lys ». La pantoufle. Le roi de Moldavie s'éveilla le matin de Noël comme tous les matins. Son chambellan tira les rideaux et lui présenta sur un coussin de velours, quand il eut passé sa robe de chambre, ses belles pantoufles rouges. Le roi enfila d'abord celle de gauche, selon son habitude, puis celle de droite, mais aussitôt il poussa un cri et s'empressant de la quitter, il la jeta à la tête du chambellan en criant « Vieille bête !» Le chambellan devint aussi rouge que la pantoufle, mais comme c'était un courtisan accompli, il s'inclina, ramassa la pantoufle et sortit. Dans le couloir, il rencontra l'officier de service. « Tenez, lui dit-il, regardez ce qu'ont fait les pantoufles de la majesté de roi. Imbécile !» Et il la lui jeta à la tête. L'officier avait le sang prompt, et en plus, il avait fait la célèbre campagne de Sigalos Baronotzov. Son premier geste fut donc pour porter la main à la garde de son épée. Mais il se contint, car il songeait à son avancement, et il se borna à ramasser la pantoufle. Devant la porte du couloir était un factionnaire. « Factionnaire ? » cria le lieutenant. Et quand il fut là, « Tiens, abruti, regarde ce qu'ont fait les pantoufles de sa majesté !» Et il les lui jeta à la tête. Le factionnaire ne dit rien, car c'était un simple soldat, mais il ramassa la pantoufle dès que l'officier eut viré les talons. Dans la cour passait un domestique. Le soldat le héla et quand il fut tout près, « Tiens, espèce de civil, regarde ce qu'ont fait des pantoufles du roi !» Et il la lui jeta la tête. Le domestique ne dit rien, car le factionnaire avec son fusil lui faisait toujours un peu peur. Il ramassa la pantoufle et la porta chez le cordonnier. Le cordonnier était devant sa porte en train de balayer la neige. Le domestique était tellement en colère qu'il ne trouva rien d'autre à lui dire que ceci. « Tiens, bouif, regarde ce qu'ont fait des pantoufles du vieux !» Et il la lui jeta à la tête. Le cordonnier la ramassa et il entra dans sa boutique. Le petit apprenti était en train de regarder par la fenêtre. Il songeait que c'était Noël et que ce matin même, sitôt que son patron aurait le dos tourné, il irait à Andreaskirche, où l'on installe à Noël chaque année la plus belle crèche du monde. Le cordonnier ne lui donna aucune explication et lui jeta tout simplement la pantoufle à la tête. Le petit apprenti, parce qu'il ne pouvait plus la jeter à la tête de personne, la ramassa, la mit sur l'établi, prit un marteau et d'un seul coup rabattit la pointe du clou qui se dressait à l'intérieur. Alors seulement il s'avisa que c'était là une belle pantoufle. « Oh !» dit-il, « personne, en dehors du roi, ne peut avoir une si belle pantoufle. Alors pour faire plaisir au roi et en même temps lui jouer une petite farce, il prit un bout de papier et avec son crayon il écrivit dessus « Heureux Noël à notre bon roi !» Puis, du papier, il fit une boule et la glissa au fond de la pantoufle avant de rendre celle-ci à son patron. Le cordonnier prit la pantoufle et la porta au domestique, qui la donna au factionnaire, qui la restitua au lieutenant, qui la remit au chambellan, qui la posa sur un coussin de velours et puis la présenta au roi. Le roi était resté avec un pied en l'air, ce qui est fort désagréable. Aussi fut-il heureux de voir revenir sa pantoufle, et il se mit en devoir de l'enfiler. Mais son pied rencontra tout au fond une certaine résistance. Alors, il mit la main, en retira la boule de papier, et la déplia, le sourcil froncé, comme s'il voulait dire « Qui s'est permis ?» Mais quand il lut sur le papier « Heureux Noël à notre bon roi !» Il se mit à sourire,
comment l'avait-il oublié? C'était Noël, ce matin-là. Alors il se tourna vers le chambellan. « Monsieur le chambellan, lui dit-il, ma grandeur a daigné vous traiter tout à l'heure de vieille bête. Elle daigne revenir à présent à une plus juste appréciation de vos mérites et vous confère le titre de commandeur dans l'ordre national de Sainte-Eustochie. » Le chambellan redevint rouge, mais c'était de plaisir cette fois. Il s'inclina profondément et il sortit. Dans le couloir, il fit un petit signe à l'officier. « Lieutenant, lui dit-il, je vous ai vivement traité tout à l'heure, mais je connais votre valeur et je présenterai à la signature de Sa Majesté un décret vous nommant capitaine. » L'officier claqua des talons et dit « Merci, Votre Excellence. » Et puis il s'en alla. Devant la porte, il vit le factionnaire qui lui pinça l'oreille et lui dit « Soldat, je t'ai traité d'abruti tout à l'heure, ça ne fait rien, ce sont les nécessités du service. Mais dis donc, tu n'aurais pas envie d'une petite permission de détente ? Tu partiras aujourd'hui pour 8 jours. » Le soldat eut un sourire jusqu'aux oreilles car il avait une bonne amie dans son pays. Il dit « Merci. » « Mon lieutenant, » fit le salut militaire et s'en alla. Dans la cour, le soldat rencontra le domestique. Il le prit par le bras. « Sans rancune, homme, mon brave, nous autres soldats, on est un peu vifs. Mais tiens, prends ça. Je l'ai rapporté de la guerre. Tu t'en serviras pour allumer ta pipe. » Et il lui donna un superbe briquet, ce dont le domestique fut très content car il n'en avait pas. Le domestique se fit remettre alors sur les fonds destinés aux chaussures de Sa Majesté un billet de 50 palpes or. C'est la monnaie de ce pays et il le porta au cordonnier. Le cordonnier prit le billet, ça fait toujours plaisir, et pour n'être pas tenté de le dépenser, le mit dans son tiroir, car il savait, le tenant de son père, qui le tenait de son grand-père, que c'est ainsi que l'on fait les bonnes maisons. Il n'eut que le petit apprenti à qui personne ne dit rien, mais ça lui était bien égal. Il se trouvait en ce moment à Andreaskirche, au premier rang des spectateurs. L'église était pleine, la crèche était plus belle que jamais. On peut y voir dormir l'enfant Jésus sur de la paille fraîche. Les mages et les bergers lui présentaient leurs dons, et suspendus au plafond par des ficelles d'or, les anges sonnaient de la trompette en gonflant leurs joues.